Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter l'effectif 2019-2020 de l'AS Nancy Lorraine. L'association sportive Nancy Lorraine a terminé 12ème de Ligue 2 avec 34 points, 6 victoires, 6 défaites et 16 nuls. Nancy est localisé dans le 54 en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, dans la région du Grand Est. Notre stade, Marcel Picot, est localisé dans la banlieue nancyenne à Tomblaine. Le club a été créé en 1910 sous le nom d'Union Sportive Frontières. C'est depuis 1967 que le club connaît la section professionnelle. Le club gagne en 1978 une Coupe de France, une Coupe de la Ligue en 2006 et 7 championnats de Ligue 2. Le joueur iconique du club et meilleur buteur est évidemment Michel Platini avec 127 buts en 214 matchs. Le joueur le plus capé se nomme Cédric Lécluse avec pas moins de 482 matchs à son actif. Et plus récemment, notre cher Clément Langlais, défenseur du FC Barcelone qui a été formé ici à la S nancy Lorraine. La petite présentation terminée, rentrons tout de suite dans le cœur du sujet avec notre effectif de cette année 2019-2020. C'est parti pour l'effectif de l'AS Nancy-Lorraine. Nous allons commencer par Martin Sourzac, le remplaçant de Baptiste Valette. Il a 27 ans. Il nous vient tout droit du Nîmes Olympique. Il a joué en tout 3 matchs. Pour ses entrées, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a remplacé Baptiste Valette lorsqu'il a eu un carton rouge. Poste important, pas du tout. C'est totalement idiot. C'était le numéro 2 et ça a toujours été le numéro 2. Il n'a joué seulement lorsque Baptiste Valette était sur la touche. Pas grand chose à dire à son sujet. Nous allons maintenant parler de Baptiste Valette qui nous vient tout droit du Nîmes Olympique également, qui est arrivé cette année, tout comme Martin Sourzac. Donc c'est le gardien numéro 1. De cette équipe de la Nancy Lorraine, il a joué 26 matchs pour un carton jaune et un carton rouge où il a été expulsé à la suite d'une mauvaise sortie. Je l'ai trouvé vraiment excellent pour un gardien de Ligue 2. Euh, je l'ai trouvé vraiment très bon sur FIFA. Il a des stats éclatées, on peut le dire. 66 de général, je pense qu'il mérite un peu plus. Pour moi, ça a été un des meilleurs gardiens de Ligue 2 cette année. Il nous a sauvés plus d'une fois et on lui doit beaucoup à Baptiste Valette. Il a été très bon. Pour moi, jeu au pied et jeu à la main, il est très très nul. Donc ses stats reflètent sa nullité. Par contre, je trouve qu'il a des très bons réflexes et des très bons plongeons. Sur sa ligne, il est très bon. Il nous a fait de très belles parades. Je dirais son point faible, ce sont les sorties. Si, c'était vraiment carnage. Euh, son jeu au pied, il la mettait souvent dans les choux. Et son jeu à la main, c'est vraiment pas terrible. Par contre, au niveau du plongeon et du placement, j'aurais mis plus que 70 de général. Mais voilà, Baptiste Valette à 66 de général, je trouve que c'est un peu faible par rapport à Sourzac. 63 bon je trouve qu'il a été très bon donc peut-être que dans FIFA 21 il sera augmenté en tout cas je l'espère regardons maintenant Hugo Constant alors il a 19 ans il a joué aucun match c'est le gardien numéro 3 de cette équipe de l'AS Nancy Lorraine et il a été euh, formé à l'AS Nancy Lorraine on va tout de suite enchaîner avec le défenseur gauche mon petit chouchou Salidou 6 qui est arrivé cette année en provenance de Angers du SCO Angers donc euh, il jouait pas en en Ligue 1 et euh, donc il a été acheté. C'est un transfert gratuit. Donc il a 30 ans, il joue en DG, en MG ou en AG. Garcia lui a fait euh, faire tous les postes et vraiment pour moi c'est mon petit chouchou. Il a été excellent. Pour moi c'est le meilleur joueur de cette équipe cette année. C'est pas un super bon défenseur mais il est très bon offensivement, même défensivement, il est rapide. Et euh, notre petit Saïdou 6, il a joué 18 matchs, il a mis 5 buts. Pour un DG, c'est vraiment très bien. Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. Par contre, il a joué que 18 matchs, il était souvent blessé et il a été quelquefois euh, suspendu avec ses 4 cartons jaunes pris dans la saison. Alors, au niveau de ses stats, 76 d'accélération, oui, c'est correct, plutôt rapide. Pour un DG, moi je le trouve plus rapide que 76, mais bon. Euh, la détente, c'est pas son point fort, donc 71 de général, ça me va. La force, je dirais un peu plus. La vitesse, pareil, je dirais un peu plus. Et euh, je dirais que ses stats ne sont pas terribles. Donc il a joué en DG et en MG. Personnellement, je le préfère en DG, pour la simple et bonne raison qu'en MG, on a, on a d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste, alors qu'en DG, on n'a personne d'autre, à part Vincent Muratori qui est franchement pas terrible. Donc je le préfère en DG, en sachant que quand 6 est en DG, on manque un peu un défenseur gauche. <laughs> C'est plutôt un MG âgé. Ensuite, on va regarder Vincent Muratori, donc qui est l'autre DG de cette composition. Alors Vincent Muratori, euh, il est au club depuis plusieurs années. Il a 33 ans, donc il commence à se faire vieux. Il a joué 17 matchs. Il a 63 de général sur FIFA, je pense pas qu'il mérite plus. Alors, Vincent Muratori, ça a l'air d'être un gars super, mais sur le terrain, euh, au niveau des capacités, c'est pas terrible, c'est vieillissant, il est très très lent. Et on voit qu'il qu donne tout, il donne tout pour aller vite, mais il est vraiment très très lent. Et. Et voilà, c'est juste pas possible. Il passe sa vie ni en défense ni en attaque. Donc il est au milieu de terrain, il attend que ça se passe, il fait des appels, euh, c'est à peine ridicule. Et voilà quoi, l'accélération, voilà, 60 et 62 de vitesse, euh, voilà, ça, ça c'est exactement ça. Un DG, il n'a pas été utilisé en décès cette année, heureusement, parce que je trouve qu'il n'a rien d'un décès. Il a rien d'un euh, non plus. <laughs> Non, non. C'est une doublure correcte à Salidou6, mais je trouve qu'il a joué beaucoup trop de matchs par rapport à, à son niveau. Lorsque Salidou6 était en MG, bah, il fallait bien un, un DG parce qu'on a souvent joué en... avec 4 défenseurs. On a essayé euh, le 3-5-2, mais... Personnellement, je préfère jouer à quatre défenseurs. Même si le 3-5-2, c'est intéressant d'avoir trois défenseurs centraux et d'avoir les deux latéraux qui redescendent lorsque nous n'avons pas le ballon. Ernest Seca, le capitaine, il a tout d'un capitaine il est bon, il il, est, il a 32 ans, il est assez vieux mais il est quand même rapide, il est physique. Moi je le trouve je le trouve très bon pour la Ligue 2 évidemment, hein, c'est pas le meilleur défenseur central de l'histoire mais euh, dans notre équipe euh, il a il a vraiment pesé dans dans les rencontres. Je l'ai trouvé vraiment intéressant et pour moi c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 2 et on n'a pas pris beaucoup de buts cette année. On en a vraiment mis très très peu avec notre attaque et je vais en parler tout à l'heure mais la défense était plutôt solide et Ernest CK, c'est le patron, quoi. 1m85, 89 kg. Pour sa taille et son poids, je trouve qu'il est assez rapide. Euh, personnellement, de lui mettre 60 de vitesse, euh, non, je suis pas d'accord. Pour moi, il mérite un peu plus. Bon, euh, c'est pas une flèche, hein, c'est pas Raphaël Varane. Voilà, c'est leadership. C'est ça, c'est un capitaine. Alors, ensuite... Notre Hervé Liboisi national, 35 ans. Bon, maintenant il en a 36. Alors, quand j'ai vu l'effectif et quand j'ai vu Hervé Liboisi qui vient d'arriver cette année à 35 ans, je me suis dit oula, qu'est-ce que c'est que ça Où on va Lui, il jouera jamais. Ça va être El Khoutari qui va prendre la place. Et en fait, pas du tout. Il m'a beaucoup impressionné ce petit Hervé Liboisi. Il a été très bon par rapport à ce que je m'étais imaginé. Il a joué quand même 24 matchs. Ce qui est vraiment énorme pour euh, un défenseur euh, central de 35 ans. Et je l'ai trouvé vraiment très bon. Ça a été vraiment euh, pour moi la surprise de la saison. Ça a été Hervé Liboui. Excellent dans les airs. Quand vous avez un duel avec Hervé Liboui dans les airs, vous perdez. Alors qu'il fait... Entre guillemets, que 1m86. Je veux dire que pas le défenseur central le plus grand, mais euh, je trouve qu'il a une détente absolument exceptionnelle. Je me suis dit 35 ans, il va tirer la caravane, il va aller à 2 à l'heure. Et 52 d'accélération et 51 de vitesse, euh, je ne suis absolument pas d'accord. Je le trouve rapide, euh, il a rattrapé beaucoup d'attaquants. Je l'ai trouvé très bon au tacle debout. Euh... Bon, après, quand je dis très bon, évidemment, on est en Ligue 2. Donc, ce n'est pas non plus la fête. Mais Hervé Liboy, pour moi, petit big up à lui, je l'aime bien et, euh, et il a été bon cette saison. Il a fait une bonne saison et je suis contente qu'on l'ait recruté. Alors ensuite, on regarde Ryan Bidunga, donc lui qui euh, a que 22 ans. Entre guillemets que, parce que je pensais qu'il était plus jeune. Euh, il est dans le centre de formation euh, depuis quelques temps. Et il a joué euh, peu de matchs. Il a joué trois matchs, dont trois entrées. Il n'a jamais été titulaire. Ou peut-être en coupe. Je pense qu'en coupe, il a été titulaire. Euh, Ryan Bidunga, euh, j'ai pas grand-chose à dire à son sujet parce que je le connais pas bien. On l'a pas vu beaucoup. Euh, 59 de général, ça me paraît pas alarmant. Il, il est... Ses entrées n'étaient pas, étaient pas carnage. Hein. Il n'a pas été euh, mauvais. Mais je trouve que pour son âge, 22 ans, c'est quand même pas rien. Surtout en ce moment, on est dans un football où on prend les jeunes très tôt et on les fait jouer. Euh, Kamavinga, euh, tout ça, tous ces joueurs de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors je trouve que pour son niveau, il est trop vieux. Euh, S'il avait 18 ans, je vous dirais, bah écoutez, Rayel Midunga, c'est un bon espoir. Mais à 22 ans, je, je trouve pas que ce soit un bon espoir. Je, je, je le trouve vieux tout simplement. Il, il est vieux pour, euh, pour son niveau. Alors, El Kautari. Alors c'est un joueur que j'aimais beaucoup euh, les années précédentes, euh, mais cette année je l'ai trouvé vraiment nul. Il a 29 ans, il a joué euh, 21 matchs, euh, il était aligné souvent avec soit Seka soit Liboï, ou il était aligné évidemment dans les, le, la défense à 3 avec Seka et Liboï. Alors qu'est-ce que j'ai à lui reprocher Alors je le trouve complètement paumé. Il a l'air paumé sur le terrain, il sait pas se placer, il est jamais alerte, il, il attend que ça se passe, il regarde à gauche, à droite, il est pas concentré, il fait des passes mais catastrophiques. Au niveau de la défense, au niveau de la détente, il n'est pas mauvais, mais il est très mauvais en placement, en réactivité et dans les passes. Alors la relance, quand vous avez El Kaoutari, vous pouvez pleurer, parce que vous savez qu'il va faire une relance carnage. Il sait juste sauter et euh, faire des tacles debout. Donc pour un défenseur, je vais vous dire, c'est pas trop mal, mais pour la relance, juste non. Et El Iboi, je l'ai trouvé mais mille fois meilleur alors qu'il est vieux, donc non. El Kaoutari, euh, très mauvais cette saison. 1m81 pour 83 kg. Au niveau des détentes, hein, c'est pas mal, hein, mais ça, ça, ça vaut pas à ou CK. L'accélération, je le trouve pas très rapide. Bref, euh, regardons maintenant Loïs Neri. Alors, Loïs Neri, euh, je ne t'aime pas. Il a, il a 29 ans, il a joué 14 matchs, ce qui est beaucoup trop à mon goût. Euh, mais bon, Karamoko, le, le défenseur droit titulaire, a été blessé beaucoup et il a manqué quelques matchs euh, avec des suspensions. On a eu beaucoup de suspensions cette année, je trouve, par rapport euh, à nos réelles fautes. Euh, dans le jeu, j'ai trouvé les arbitres très sévères cette année avec les cartons jaunes et les cartons rouges. Donc euh, je, je pense que vous êtes d'accord avec moi, cette année c'était un peu... Euh un peu football, champagne, des cartons et, euh, et voilà. Donc Loïs Neri, je ne t'aime pas, euh, désolé. Il est jamais en défense. Alors il est comme Muratori, il est au milieu de terrain, il n'est ni en attaque ni en défense. Mais au moins Muratori, il essaye. Il essaye de revenir en défense, il court, il fait des trucs. Neri, il fait rien. Il, il fait quelques bons centres, il a fait quelques passes décisives dans les centres. Il est vraiment pas mal. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ce qui lui manque, c'est le placement, c'est la réactivité et c'est l'envie. Il est jamais où il faut. Euh, en défense, systématiquement, vous passez du côté de Neri, et bien vous, vous passez la défense tout, 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 toute seule. Et euh, c'est juste pas normal. T'as 28 ans, tu dois faire mieux. Alors, ensuite on a Bouzard. Alors, euh, Monsieur Samir Bouzard, qui est de, du centre de formation. Il a 19 ans, j'ai rien à dire à son sujet parce qu'on ne l'a presque pas vu jouer, voire pas du tout, donc euh, j'ai rien à dire. Suleyman Karamoko, le défenseur droit de cette équipe. Alors au début, je le détestais. Je le trouvais archi nul, il courait pas, il en avait rien à faire. Et au bout de quelques matchs, 3-4 matchs, il a commencé à se réveiller et je l'ai trouvé très bon. Et lorsque j'ai vu jouer Neri, je me suis dit. Ah, finalement, t'aimes beaucoup Karamoko. <laughs> Et vraiment, Karamoko, quand il veut, il est très bon. Alors, en centre 61, euh, oui, il est vraiment mauvais. Et par contre, voilà, il, il est vraiment rapide. Euh, je pense même qu'on peut lui mettre plus que 81, mais bon, euh, il est 67 de général. Donc, euh. 26 ans, euh, il est français, euh, il est intéressant. Il vient d'arriver cette année en provenant de Paris FC. Donc voilà, cette équipe elle est toute nouvelle. La plupart des joueurs sont arrivés cette année. En tout cas dans le 11 de départ, j'ai trouvé que Jean-Louis Garcia a fait des très bons choix, mais on en parlera tout à l'heure. Alors sous les mains de Karamoko, je le trouve très bon. Euh, par contre, euh, il a du mal à revenir en défense. Un linsard de Muratori qui essaye de courir de toutes ses forces pour revenir. Karamoko, il, il revient jamais. Donc euh, il laisse toujours un trou, mais offensivement, il est vraiment intéressant. Et les quelques fois où il redescend, eh ben, il fait de bonnes interceptions, de bons tacles. Donc Karamoko, je l'aime bien alors Akishi c'est mon petit chouchou Edmond Akishi qui vient d'arriver cette année encore une fois il est arrivé après le début de saison alors je le trouve vraiment très bon c'est notre numéro 6 c'est le numéro 24 mais c'est notre numéro 6 notre milieu défensif titulaire il a joué beaucoup de matchs il a joué 22 matchs et il a pris qu'un seul carton jaune pour un milieu défensif c'est vraiment excellent je l'ai trouvé tout simplement très bon dans les interceptions. Il fait de très très bonnes passes d'ouverture. Et grâce à lui, on n'a pas pris beaucoup de buts cette saison. Ousmane Sissoko, 32 ans. Je l'aime bien. Notre numéro 7, il est très technique. Il a été intéressant dans, dans la saison. Et euh, le seul problème que j'ai avec Monsieur Sissoko, c'est ses stats. Juste, euh, les stats, il a joué 18 matchs et il a marqué un seul but sur penalty. Il n'a pas fait beaucoup de passes décisives. Euh, alors, dribbler, c'est très bien, mais euh, c'est un peu le Vinicius du pauvre. Le Vinicius euh, qui s'est dribblé, qui s'est animé offensivement, mais les passes, c'est carnage, les frappes, c'est carnage. Donc, pour moi, Ousmane Sissoko, il n'a pas été très fort cette année. Un seul petit but sur penalty. À la toute fin de saison, enfin à la fin de saison en février. Je l'aime bien, il crée des actions, il crée du rythme, il, il se donne sur le terrain, mais il faut finir, garçon, il faut marquer ou il faut faire des passes, il faut faire quelque chose. Le foot, c'est pas juste euh, dribbler, on n'est pas on pas à la samba au Brésil, on n'a pas besoin de dribbler, on a besoin de marquer des buts. Et c'est le gros problème cette année, c'est de marquer. On, on marque pas. Alors, Bassouamina, Amina, il a pas joué donc j'ai rien à dire à son sujet. Yanis barca 21 ans. Alors il est un peu comme Bidunga. Je trouve que si barca s'il avait 18 ans, eh ben je vous dirais, écoutez. Il est bon. Mais là, il a 21 ans. Et pour 21 ans, bah, je le trouve pas très bon. Il a fait quelques matchs, il a fait des gros ratés devant, devant le but. Et je trouve, techniquement, il est pas mal pour un joueur de Ligue 2, pour un joueur de 21 ans. Mais encore une fois, la technique, c'est pas tout. Il faut savoir faire des passes, il faut savoir frapper, il faut savoir euh, animer le jeu. Ça sert à rien de courir et de dribbler de temps en temps. Ça n'a aucun intérêt. Alors Serge Nguessant, il n'a pas joué beaucoup de matchs, le petit Serge. Que dire à son sujet Il a joué 10 matchs, je le trouve sympathique, il a de l'envie sur le terrain, mais c'est une petite puce. C'est-à-dire que il est partout et nulle part. Alors il court dans tous les sens, il est jamais placé, il est comme moi quand j'essaye de jouer au foot, j'essaye de me placer n'importe où, je cours, je cours, je cours. Et au final, il est nulle part, on ne peut pas le trouver. Il est pas à milieu défensif, il n'est pas milieu central, il est pas milieu gauche, il n'est pas milieu droit. Il est partout sur le terrain, il va courir de partout, partout, partout. Et... Euh, il n'a pas pesé dans, dans aucun, aucun match. Il a fait la différence, ni défensivement, ni offensivement. Alors, Grégoire Lefebvre, arrivé tout droit du Red Star cette année encore. Il a joué 14 matchs. Euh, il a joué beaucoup en début de saison. Et puis euh, il faisait des matchs euh, plutôt corrects, euh, défensivement surtout, parce que vraiment offensivement, euh, il sait pas faire de passe euh, techniquement il est archi nul. Donc défensivement, il, il est pas trop mal. Et puis après, on l'a plus vu, euh, Jean-Louis Garcia ne, ne l'alignait plus et il rentrait très rarement. Donc, au début, euh, je l'aimais plutôt bien, je le trouvais assez bon, je trouvais que c'était un milieu défensif intéressant euh, aux côtés d'Akishi. Et puis après, il a fait plutôt jouer Rocha, euh, qui est plus offensif que défensif par rapport à Lefebvre. Et c'est un choix du coach. Mais personnellement, euh, j'ai rien à dire de mal sur Lefebvre, ni de, ni de bien en fait. Euh, je trouve qu'on l'a pas vu assez euh, par rapport à son niveau. Peut-être qu'aux entraînements, il était, il était moins bon et euh, il était moins en forme. Je fais confiance à Jean-Louis Garcia. Nous, nous ne voyons que ce qui se passe sur le terrain. Et encore, on peut mal voir. Alors qu'un entraîneur, un coach qui a fait des années euh, de tactique, euh, qui est maître tacticien, et eh ben, euh, voit beaucoup plus ce que nous on voit. Nous on voit avec des yeux de supporter et on n'est pas toujours très honnête et on, on, on peut se tromper. Alors, Brandon Nsimba Nzezi, excuse-moi si j'ai euh, mal euh, prononcé ton nom, je ne te connais pas. Il vient d'arriver dans l'effectif, euh, il était dans la SNL euh, Poire, là, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, et on l'a jamais vu, donc euh, bienvenue à toi et on, on te verra peut-être la saison prochaine. Kenny Rocha. Alors, il vient tout droit de l'AS Saint-Étienne et Kenny Rocha, il a 19 ans, donc pour 19 ans avoir 63 de général, je le trouve plutôt pas mal. Le problème que j'ai avec lui, c'est que je trouve qu'il est parfait en sortie de banc. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il était en sortie de banc, je trouvais qu'il animait offensivement euh, plutôt bien et qu'il apportait vraiment quelque chose. Alors que quand il est titulaire, je trouve qu'il apporte rien. Il se trompe beaucoup dans les passes, dans les choix. Il ne sait pas que ses passes sont nulles. C'est souvent un mauvais choix. Je trouve qu'il il n'a pas une lucidité au niveau euh, offensive et tactique du jeu. Il ne voit pas bien le jeu. Il s'est amélioré euh, en défense. Jean-Louis Garcia, au fil du temps, l'a fait plus jouer euh, en MDC avec Akishi avec un rôle quand même un peu plus de relayeur. C'est plutôt un 8, mais il jouait plutôt en 6. Et Kenny Rocha, je le trouve euh, pas terrible. Euh, les derniers matchs qu'il a fait, je l'ai trouvé vraiment nul en 6, nul en 8, nul en 10. Je trouve qu'il était bien meilleur en sortie de banc. Vincent Marchetti, je t'aime. Ça fait plusieurs années que tu es là. Je t'aime vraiment. Et cette année, on t'a pas vu. Il a eu les croisés au bout du deuxième match à domicile contre Lorient, où nous avons fait 1-1. On s'est très bien battu contre les champions de Ligue 2. On a même dominé. Et euh, il est revenu euh, début février donc il a joué que quelques minutes après sa blessure donc il a été blessé toute l'année donc je ne peux rien dire à son sujet. Amin Bassi, alors c'est mon joueur préféré. Bonjour Amin Bassi. Il y a eu quelques problèmes au début de saison où il voulait euh, à tout prix quitter le, le club, il voulait aller à Metz donc ça a fait un peu le bazar au niveau des supporters. Donc au début de saison il n'a pas joué et quand il est revenu il était bon. Il a apporté offensivement, mais par rapport au niveau qu'on attend d'Amin Bassi, cette saison, il n'a pas été à la hauteur. Je sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Euh, je sais que c'est le début de saison un peu compliqué. On attend plus d'Amin Bassi. Forcément, plus on connaît le joueur, plus on connaît ses qualités, plus on attend de lui. Et euh, si ce pas Amin Bassi, j'aurais dit, ouais, il a fait une super saison. Mais là, je connais Amin Bassi et ses capacités, et il n'a pas fait une super saison. Il n'a pas mis énormément de buts. Il a mis euh, 4 buts dont un penalty et pour un milieu offensif c'est pas c'est pas assez. Par contre Jean-Louis Garcia l'a fait beaucoup jouer, je trouve trop. Jouer, en tout cas de mon avis de petite supportrice, hein, parce que je ne suis, encore une fois, je ne suis pas tacticienne, donc je, je préfère prendre des guillemets et des pincettes. Je trouve qu'en AG, il n'est pas très bon, il n'est pas assez rapide. Pour moi, c'est simple, c'est un pur 10. Il a un pied droit très intéressant, un bon tireur de coup franc, un bon passeur, un bon dribbleur. Pour moi, c'est un pur 10, c'est pas un attaquant gauche. Il a joué beaucoup trop cette saison euh, sur les côtés, et je trouve ça un petit peu dommage. Pour le niveau classique, entre guillemets, euh, d'un enseignant, il a été bon, mais pour Amine Bassi, je pense qu'il peut faire mieux. Il doit faire mieux, même. Alors, Bertrand, Dorian Bertrand, je l'aime vraiment bien. Il a été la plupart du temps euh, remplaçant. Il a joué 26 matchs, mais dont 12 entrées. Donc, il n'a pas été beaucoup titulaire. Et je l'aime vraiment bien, Dorian Bertrand, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait, il faisait la différence sur son côté. Il est très rapide. Il est bon techniquement. Je le trouve euh, intéressant. Encore une fois, je préfère en sortie de banc parce que ça ramène de la vitesse, de la vivacité, de la technique. Et je trouve qu'en titulaire, eh ben, euh, l'attaque cette année, elle avait tendance à dormir. Donc, vaut mieux faire dormir des gens moins vifs et faire rentrer ensuite Dorian Bertrand, rapide et, et technique. Donc, euh, pour moi, euh, très bon en sortie de banc. Je l'ai vraiment bien aimé. Euh, je trouve qu'il a une bonne attitude sur le terrain. Il fait pas beaucoup de fautes. On voit qu'il mouille le maillot et qu'il a envie d'être là. Et euh, voilà, je le trouve vraiment très bon. Targay, notre numéro 9 de cette année, même si c'est le numéro 29 et qu'il n'était pas prévu d'être le numéro 9 donc Mac Targay qui est en prêt de l'AS Saint-Etienne la piètre performance de Ando Donaendo a fait que Mac Targay qui va devoir normalement rejoindre l'AS Saint-Etienne cette année est devenu notre numéro 9 donc il a 21 ans, c'est pareil pour 21 ans, s'il avait 18-19 ans je vous dirais oui c'est un bon joueur il a des capacités, mais à notre époque 21 ans c'est pas si jeune, il y a 10 ans 21 ans vous étiez un bébé mais dans notre football moderne quand vous commencez à 16 ans, euh, à faire parler de vous à 16 ans comme Kamavinga, euh, enfin, je, je veux dire, euh, ou Rao Félix, euh, je veux dire, quand vous avez 21 ans, vous n'êtes vous êtes pas si jeune en fait, vous n'êtes pas si intéressant. Alors, très bon de la tête, par contre, la plupart de ces tuels de la tête, il se prenait un carton jaune, donc euh, excusez-moi, monsieur l'arbitre, mais c'est pas parce qu'il est grand qu'il faut euh, lui donner des cartons jaunes, voilà, 1m95 pour 90 kg. Il est très lent, évidemment, il n'est pas très bon, techniquement, il est archi nul, vous lui donnez le ballon, il ne sait rien faire avec, donc il a mis. Euh, quelques buts, c'est notre meilleur buteur il me semble avec euh, 5 buts. Donc vous voyez notre meilleur buteur avec 5 buts, ça fait un peu pitié. Et voilà, il, il est bon de la tête, mais qu'est-ce qu'il a raté devant le but Mais je vous raconte pas, il est déprimant. Il lui faut 50 actions pour qu'il en mette une. Est-ce que c'est un bon buteur Non. C'est notre meilleur buteur Oui. Est-ce qu'il a été bon Non. Est-ce qu'il a été mieux que Antonindo Oui. Notre numéro 9, il n'y a pas grand chose à dire, écoutez, euh, il sait pas se déplacer, accélération, agilité, voilà, il, avec le ballon, il sait rien faire, il ne sait pas faire de passe. Donc oui, devant le but, combien lui mettre de finition d'ailleurs J'ai un peu peur. Hein. 73 de finition, ouais, c'est bien donné, hein, parce que je vous assure, euh, s'il y avait des vidéos où avec les ratés de, de McTargay cette saison, la vidéo, elle ferait 5 minutes. Alors, Papis Donc là, c'est marqué Malali d'Embélé. Alors au début, je me suis dit, il s'appelle Malali d'Embélé, mais au final, c'est Papis. Il veut qu'on l'appelle Papis Malali d'Embélé. Bref, donc c'est papis. Papis qui a 22 ans, pareil euh, pour son niveau, il est trop vieux. Il a pas joué beaucoup Malali Dembélé, seulement 11 matchs. Je me souviens très bien d'une fois où il est rentré et 10 minutes après, il revenait de blessure et il revenait de suspension, il a été suspendu pendant 4 matchs pour avoir poussé un joueur. Donc euh, les arbitres cette année, euh... excusez-moi mais si vous êtes arbitre, je vous aime pas trop. <laughs> Donc Malali Dembélé, euh, après ses 4 matchs de suspension et après une grosse blessure, il a fait son match en titulaire et 10 minutes après, il était déjà blessé. Donc j'étais triste pour lui. Que dire de Malali Dembélé Il est nul, il est archi nul. T Techniquement, il vaut rien et au niveau euh, devant le but, il vaut rien. Dans les passes, il vaut rien. Vraiment, 61 de général, c'est très généreux. Pour moi, il a 50 de général. Alors, And Donaendo, qui nous vient tout droit de Niort. L'année dernière, il était le meilleur buteur de National. Et cette année, il a marqué un but. Oui, un seul but. Petit but, il, il était nul en plus ce but, c'était un but de chance à la 93e et je me souviens très bien qu'il a marqué à Pico et pour son premier but de la saison au bout de x max joué, il est venu faire la la statue euh, avec les bras euh, écartés en mode je suis le roi du monde euh, alors que non en fait a marqué un seul petit but. Tu as raté deux penalties, un en Coupe de la Ligue et un en Coupe de France. Mon cher And, tu es nul. En fait, il est juste nul. Au niveau de la finition, il est horrible. Et pareil que McTargay, quand il a le ballon, il sait pas quoi en faire. Techniquement, il sait pas jouer. Il faut arrêter, il ne sait pas jouer. Il a deux pieds gauche, Et ses deux pieds, il sait, il sait rien faire avec. Il ne sait pas marquer. Je vous dis. Le seul but qu'il a mis, la balle elle était presque dans le but, il l'a poussée. Ses frappes, elles ont toutes été arrêtées. Soit elles étaient dans les tribunes, soit elles étaient sur le gardien. Il, il n'a rien fait d'intéressant. Il a joué quand même 21 matchs, dont 13 entrées, parce que le Jean-Louis Garcia il n'en pouvait plus, il marquait jamais. Donc il a mis Mac en, en numéro 9. C'est notre numéro 9. On nous l'a vendu comme le meilleur buteur de national avec Niort et c'est vraiment le flop total. Il a été archi nul. C'est le joueur de cet effectif il n'y a, a rien à sauver marquer un petit but alors qu'il fallait juste la pousser juste il faut, faut arrêter alors, monsieur Gauthier Hotte, qui a été. Il a 17 ans, le jeune, qui a été formé à la l'AS Nancy-Lorraine, donc 56 de général. On ne l'a pas vu beaucoup. Il a fait une entrée euh, lors du dernier match. On perdait 2-1 contre Clermont, c'est notre dernier match euh, à Picot. Donc, Gauthier Hotte qui a fait quelques minutes d'entrée où on a perdu 2-1. On peut pas dire grand chose de lui, en fait. Euh, il a joué quelques minutes, euh, on ne le connaît pas. Euh, il avait l'air d'avoir de l'envie, mais bon, voilà, ça suffit pas. Et Vinny Triboulet, on ne l'a pas vu du tout parce qu'il était en prêt. Donc il est revenu pas longtemps, il était nouveau dans l'effectif, mais la saison s'est arrêtée. Donc Vinny Triboulet, je ne peux rien dire à son sujet, nous ne l'avons pas vu pas une seule minute. Et enfin... Notre joueur Wagner, donc qui est adoré à Pico, euh, à Nancy, tout le connaît Wagner. Il est vraiment euh, phénoménal, Enfin bref, Wagner, donc euh, 70 de général, qui est le meilleur joueur sur FIFA et le meilleur joueur en vrai de l'effectif de l'AS Nancy-Lorraine. Il est en prêt de l'AS Saint-Etienne, encore une fois. Il a 23 ans, il est du Cap-Vert, tout comme Rocha, qui vient aussi du Cap-Vert et qui vient aussi de l'AS Saint-Etienne. Mais malheureusement, Wagner a été blessé du mois de novembre donc nous l'avons pas vu beaucoup mais les trois mois qu'il a, qu a fait avec nous il a vraiment été très bon que dire à son sujet il est extrêmement technique il a joué 15 matchs il a mis 7 buts je vous présente mes excuses notre meilleur buteur est Wagner alors qu'il a joué que la moitié de la saison puisque gay n'a mis que 5 buts Wagner c'est clairement le meilleur joueur techniquement il est excellent voilà il a les 4 étoiles de gestes techniques il est il est très bon que dire sur les côtés il est meilleur qu'un but euh, je trouve que le mettre en BU, c'est un peu dommage. Euh, il est très très rapide. Il est très technique. Et devant le but, par rapport à tous les autres, il s'est marqué. And Donaendo, il s'est pas marqué. Magta il s'est pas marqué. Amine Bassi, devant le but, il a vraiment qu'à fouiller cette saison. Sissoko, il s'est pas marqué. Donc Wagner, c'était le seul qui, devant le but, euh, était pas complètement nul. Et, euh, et on l'a perdu euh, au mois de novembre. Il a été blessé pendant 4 mois. Donc il n'est jamais revenu. Il va probablement retourner à Saint-Etienne. J'espère qu'il jouera. Je lui souhaite vraiment une très belle carrière. Je suis vraiment triste de ne pas l'avoir vu plus longtemps que ça. Parce que dans le stade, Wagner, il est vraiment aimé. Il y a énormément de, de supporters qui ont floqué Wagner, le numéro 27. Donc, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est là et il aime vraiment Nancy et ça se voit. Et il était vraiment très content de revenir en prêt. Euh... Au mois d'août. Et il aime Nancy et ça a l'air d'être vraiment un bon gars. On l'a vu en vrai dans la séance de dédicace. Et, et ça a l'air vraiment d'être quelqu'un qui, qui veut se battre pour, pour avoir une, une carrière. En tout cas, pas la plus grande de toutes les carrières. Mais je pense qu'il mérite vraiment. De, de jouer en Ligue 1 et j'espère que si Saint-Etienne le garde, qui jouera avec la S-Saint-Etienne qui ont vraiment été nuls cette année. Euh, faut, faut pas se soulever, Saint-Etienne c'était une des leurs pires saisons. Euh. Voilà pour l'effectif de la S nancy lorraine Ce sont évidemment que mes avis. Des avis d'une supportrice, d'une Nancyienne. Vous pouvez évidemment me dire ce que vous pensez dans les commentaires de chaque joueur, si vous connaissez l'effectif de l'AS Nancy Lorraine ou si vous êtes Nancyien ou Nancyienne, parce que oui, il y a de plus en plus de femmes dans les stades de foot, je peux vous en assurer. Alors, avant de finir la vidéo, je vais vous donner mes trois tops et mes trois flops de cette année et vous parler un petit peu de Jean-Louis Garcia et de ce que j'ai pensé des matchs de cette année. Pour commencer, nous allons commencer par le meilleur. Du pis. Donc, mes trois flops, c'est évidemment en première position, indétrônable, monsieur Donna Endo. Je t'aime bien, mais t'es vraiment très très nul et j'espère que tu vas quitter le club. Ensuite, en deuxième position, je mettrai Loïs Neri, que je n'aime vraiment pas, qui est vraiment nul, qui est vraiment lent et qui a l'air de s'en foutre du club comme vous ne pouvez même pas l'imaginer. Alors que je suis sûr que c'est même pas vrai. Je suis sûr qu'il aime ce club, mais sur le terrain, on dirait vraiment. Qui s'en fiche et qu'il a juste envie d'aller se coucher et qu'il est fatigué. Et mon troisième, c'est monsieur Sissoko. Avec tous les matchs que tu as joué, garçon, tu dois faire beaucoup mieux. Voilà, donc mes trois flops, mes trois tops, je dirais en première position, sans aucune réflexion, Baptiste Valette. Alors, il nous a sauvés plus d'une fois, ça a été un gardien excellent. Encore une fois, je vous parle de la Ligue 2, hein, on n'est pas en première ligue ou, ou en Liga. Pour euh, la Ligue 2, je l'ai trouvé excellent. En deuxième position, je vais mettre. Akishi. Alors Akishi, comme je vous l'ai dit, il a été pour moi excellent. Et euh, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est grâce à lui qu'on s'est pris si peu de buts. En troisième position, je vais mettre Salidou 6, qui a marqué beaucoup de buts pour euh, un défenseur gauche. Il a été excellent et euh, voilà, c'est un, un de mes joueurs préférés cette année. Après, juste derrière, parce que... 104 ça ne va pas, non je rigole. Euh, mais je mettrai quand même ces cas pas dans le 3 dans le top parce que on ne peut pas en mettre 4 mais euh, CK a vraiment été excellent. Alors, deux mots sur notre saison. On a commencé doucement, avec 3 nuls d'affilée, il me semble. Et après, on, ça allait mieux, euh, on avait euh, de l'envie, et au début, au début c'était quand même un peu compliqué. La plupart des joueurs de notre effectif sont arrivés cette année, donc c'est compliqué de, de juger une équipe nouvelle. Il faut les automatismes, il faut quelques, quelques ajustements à faire, mais j'ai trouvé que notre début de saison était euh, plus que correct par rapport aux deux années précédentes, où euh, notre début de saison était vraiment catastrophique et au final, euh, à la fin, c'était vraiment moyen. On a on a commencé à perdre beaucoup et je pense que euh, c'est par rapport à la mentalité. Euh, dès qu'on marquait, euh, on faisait absolument plus rien, on arrêtait de jouer et les supporters étaient vraiment déçus euh, et moi-même. Et puis j'avais l'impression que Jean-Louis Garcia, euh, quand on avait marqué un but, c'était tout le monde en défense, on recule, on recule, il faisait rentrer des défenseurs sans arrêt et euh, je pense que c'est pas la bonne la bonne technique. Euh, ça, ça peut marcher pendant. 15 minutes de, de tenir le score, mais quand vous gagnez un zéro et que à la 60e minute vous bétonnez déjà derrière, je trouve que c'est juste du suicide footballistique parce que vous allez vous le prendre le but. On n'a on a pas une défense non plus, c'est pas le Real Madrid, Ramos Varane. On peut pas euh, museler euh, toutes les attaques de Ligue 2 euh, pendant 30, 40, 50 minutes, voire même plus. Des fois, il y avait toute une mi-temps où euh, on bétonnait derrière et on faisait plus rien. On nous voit le score, et puis après, euh, on était pépère dans notre canapé. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc euh, la fin de saison euh, vraiment mitigée. Euh, on a commencé à perdre. On a perdu deux fois à domicile alors que ça faisait presque un an qu'on n'avait pas perdu. On a perdu deux fois de suite euh, contre Clermont et contre Guingamp. Je voudrais remercier vraiment du fond du cœur euh, Jean-Louis Garcia, euh, notre coach de cette belle équipe de l'AS Nancy Lorraine, pour son travail. Comme je vous ai dit, je trouve qu'on a fait une saison correcte. On aurait pu faire mieux, mais c'est difficile parce que on a eu beaucoup de blessés, donc des blessés très important Alors donc on est arrivé 12e euh, avec 16 matchs nuls vraiment oh, cette année c'était l'année des matchs nuls et voilà mais j'aime cette équipe j'aime ces joueurs j'ai appris euh, à les connaître cette année avec beaucoup de nouveaux euh, visages et euh, voilà donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur FIFA où je ferai peut-être des compilations de des matchs de Nancy de ce que j'ai filmé euh, au stade je ne sais pas encore ce que je vais vous préparer que dire d'autre j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est juste une petite vidéo sur mon avis sur l'effectif 2019-2020 du club de Ligue 2 de l'AS Nancy Lorraine. C'était Alivi pour vous servir.